السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. La deuxième question dont tu es dont tu es interrogé dans ta tombe. ما دينك؟ Quelle est ta religion؟ تقول دين الإسلام. Tu dis ma religion c'est l'islam. أنا مسلم. Je suis musulman. يقول لك ما هو الإسلام؟ Et la personne te demande mais qu'est-ce que l'islam؟ بين لي الإسلام. Fais-moi montrer ce qu'est l'islam. تقول لا أدري. Est-ce que tu vas dire je sais pas؟ الإسلام هو أن تسلم لله بأنواع التوحيد الثلاثة. L'islam c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala avec les trois types d'unicité. والمسلم لابد ينقاد لله بالطاعة لا يعصي الله سبحانه وتعالى. Et le musulman doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant, il ne doit pas désobéir. دخل وقت الصلاة. L'heure de la prière est entrée. وهذا جالس لا يصلي. Et la personne et cette personne là est assise, elle ne veut pas prier. مسلم. Est-ce que tu es musulman? نعم. Oui. إذا لابد تصلي. Eh bien, il faut absolument que tu pries. الثالث لابد أن المسلم يتميز عن اليهود والنصارى. Donc il faut la troisième chose, le musulman doit se distinguer des juifs et des chrétiens. هل هناك فرق بين اليهود والنصراني؟ Est-ce qu'il y a une différence entre le juif et le chrétien? Est-ce que nous faisons la différence entre les juifs et les chrétiens? Oui, les juifs ont des convictions et les chrétiens ont des convictions. Les juifs ont des habits et les chrétiens ont des habits. Les juifs ont des adorations et les chrétiens ont des adorations différentes. Eh bien, nous aussi, les musulmans, on a des convictions, on a des habits, on a des adorations autres que les leurs. Je dois me comporter avec eux. Je dois me comporter avec eux d'une manière correcte. الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات عندما تبدأ بالدين الإسلامي لابد الدرجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ترتقي. La religion comporte trois degrés. نعم المرتبة الأولى. Le premier degré. الدرجة الأولى. Le premier degré. الإسلام. L'islam. المرتبة الثانية الإيمان. Le deuxième degré, elle imène la foi. Le troisième degré, elle ihsan, l'excellence. Le premier degré, l'islam est composé de cinq piliers. Le deuxième degré, c'est la foi, et la foi est composée de six piliers. Le troisième degré, c'est l'excellence, et l'excellence est composée d'un seul pilier.